Ok, voilà, j'enclenche, je vais essayer de faire une petite vidéo là pour que tu puisses voir ça. Alors, est-ce que... Ouais, voilà, donc ça c'est en route. L'autre, je suis en train d'enclencher l'autre caméra, celle qui est sur sur le pare-brise. Ok, voilà. Ok, alors voilà, ça y est. Ok, voilà, c'est bon. Les 73, donc là, premier essai TX, avec premier TX, là, c'est génial ça. Ouais, donc premier essai TX, ok, c'est super. Ben voilà, là je suis en train de faire une petite vidéo. Donc bon, j'avais autre chose de prévu cette nuit à Chypre, parce que là je m'en vais au boulot. Ben non, je vais plutôt directement m'attaquer à ça pour que tu puisses voir un petit peu ce que ça donne au plus vite. Alors bon, là je suis assez loin, bon, j'ai dû monter le volume quand même assez pas mal beaucoup à Chypre. Donc là, ouais, comme je disais tout à l'heure, là je suis sur la rocade de Libourne. Tu es de quel côté? De côté de Saint-Denis, je vois de Saint-Denis, je j'ai une petite montée de QRM en plus. Tu es de quel côté, tu me dis? Je suis moi du côté de Saint-Beuf, à côté de Saint-Beuf, Saint-Beuf. Oui, je connais Saint-Beuf, mais j'arrive pas à me le resituer. C'est de quel côté ça? Ah oui, d'accord, ok, je vois. Ouais, affirmatif. Ok, d'accord. Bon, c'est sympa ça. Donc là, tu te remets juste aujourd'hui à la CBI, quoi. Ouais, juste aujourd'hui. Hachis trois coups, putain, dès que je passe sur les ponts là, là qu'il y a sur la rocade de Libourne, ça me fait monter le QRM. Putain, mais là c'est là ça craint là ce soir pour moi pour embaucher. Hein. On est à quoi? On est à aller à 15 kilos. C'est tout, pas plus. Aïe aïe aïe. Donc là, qu'est-ce que tu as pris comme poste là pour redémarrer? J'ai pas compris là ce que c'est. Là. Ouais, non, mais désolé si je te fais répéter. Par moment, j'ai une petite montée de QRM. Vu que le signal n'est pas très fort, c'est pas toujours évident là de mon côté. Hein. J'ai entendu HF, donc c'est du gros alors que tu as. Ah, d'accord, ok. Effectivement, j'avais pas eu tout compris. Ok, d'accord, 3001, ça c'est bien passé, HP, 3001, mais c'est à Midland. Oh la vache, j'ai monté, tu verras ça là dans la vidéo. Par moment, j'ai testé monter de QRM, au secours. Ok, d'accord. Et au niveau antenne, qu'est-ce que tu as monté hein? Bah, n'ayant pas vu ce qu'on faisait ces derniers temps, là, je suis malade. Bon, mais je suis tombé sur une CRT, je crois, mais non, je crois que c'est une marque de ma part. Hein. C'est CRT
Ok, d'accord. Ok, bah ça marche pas mal hein, quand même. Hein. Puisque là, bon, je suis quand même là en mobile, donc assez loin quand même. Ouais, à l'occasion, ce sera intéressant de voir ça depuis le QRA. Alors moi, pour le QRA, bah, c'est sur Sainte-Colombe. Alors je sais pas ce que ça donnera, car au QRA, je suis quand même dans une cuvette. Là, hein. Là je suis au pied d'une colline hein, qui fait le tour de chez moi. Et tout ce qui est côté nord, est, tout ça, c'est complètement c'est hard. Puisque je vois là toutes les stations qui sont du côté de Montpont-Monestérol, tous ces coins-là, j'ai vraiment du mal à les entendre cuire. Hein. Ok, mais Sainte-Colombe, je vois exactement où c'est, pendant un moment j'ai un petit message à mettre, il y a un bruit. Ok, j'ai le micro qui m'a échappé des mains. J'ai eu l'effet ressort du cordon là qui m'a fait envoyer le micro dans le poste. Ah, je suis trois coups. Ok, ben, je suis dans la partie basse hein, de Sainte-Colombe, puisque tu connais un petit peu par là. Donc là, c'est vraiment le creux du creux là. Ah ben là sur la rocade, en plus de ça, j'ai ce qu'il faut là derrière là pour arriver quand même jusqu'à toi. Parce que là je suis pas sûr que comme ça en mobile, vu la distance, ça puisse y arriver. Quoi. Bon et puis là au niveau antenne, bon je pense que tu as dû déjà voir un petit peu sur les vidéos. Bon, c'est la Wilson 5000. Antenne mobile un peu chère, mais je regrette pas l'investissement, loin de là. Le seul truc, c'est que quand je me gare en ville, ben, je fais en sorte de la ranger quand même. Quoi. Parce que au prix de l'antenne, je n'achèterai pas tous les jours. Ah, non, c'est clair. Là, tu comprends des bras tranchés. C'est petit de la pique, en fait. Ça ne met pas de. Ça 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 Ok, sur ton poste, je me souviens plus comment il est. Est-ce que tu as la BLU dessus? D'accord, ce que je te propose, c'est qu'on passe sur le canal 20, puisque là j'arrive là dans le bout de la rocade. Là, je suis en train de monter le pont là, qui enjambe le National 89. Donc je te propose qu'on bascule sur le canal 20 et qu'on se mette en uniforme Sierra Bravo. Pour le reste, pour clarifier, pour me caler sur toi, là, je me débrouille. Est-ce que tu m'as entendu? Ok, voilà. Est-ce que tu es là? Hop là, putain, là par contre ça m'a fait bizarre, là, ça m'a cassé les oreilles sur le coup. Ok, comment tu m'entends là? Tu peux me clarifier correctement, c'est bon, ou tu préfères que j'agisse davantage de mon côté? Ok, voilà, bon là, moi il n'y a pas grand chose, hein. Apparemment là, juste un petit coup de clarifiage, et puis là, ça devrait être bon, tu dois pouvoir m'entendre correctement là. Ok, voilà, c'est bon là, tu as réussi à me clarifier correctement, ça va? Ah oui, ok, tu t'es décalé en fréquence, il n'y a pas de souci, ok. Ok, attends, vas-y, tiens le micro un peu plus, que je puisse te clarifier correctement. Eh bien c'est tout bon ça. Voilà, ça y est, comme ça ça va permettre de pouvoir allonger en plus, un peu plus. Car là je suis sur la Nationale 89 là maintenant et je pense que là, vu où tu es, ça aurait peut-être été un petit peu short là pour le coup. Je me demandais même si tu me disais si
ça passait de chez moi jusque là-bas. Apparemment, le train est repassé. Eh bien, tu vois, là, je suis à 1 km de la sortie Arvert, la sortie 8. Donc là, ça te donne une petite idée. Et tu vois, là, de suite, là, dès qu'on passe Quillambé-Élu, là, c'est bon, là, ça permet d'allonger vraiment plus loin. Donc, alors, ce week-end, est-ce que tu as pu aller te promener du côté de Radio Broc? Non, non. Ou alors, tu n'as peut-être pas vu l'annonce? Ah, chie trois coups. Surtout que c'est vrai que ça a été diffusé partout. Le forum, la planète semi-francophone, sur le groupe Facebook du même nom, sur les autres groupes, ceci, cela. Et oui, je me suis dépêché là hier pour faire les vidéos. Alors en plus hier, c'était foutu parce que hier après-midi, j'ai pas pu travailler dessus car les YL voulaient qu'on aille au cinéma. Là, c'est on a regardé là, un bon film, bon, je zappé le titre, c'est pas grave. Donc, ouais, j'ai fait des pieds et des mains pour mettre tout ça en ligne le plus vite possible, quoi. Ouais, mais c'est ce que j'ai vu à ce moment-là. Je dis, punaise, je dis, celle-là, je vais louper de peur. Ah, ouais. Si tu regardes sur le forum, il y a un calendrier qu'on trouve là, sur la partie droite du forum. Voilà, j'ai mis là toutes les dates que j'ai pu trouver là, de par le web. Il y en a une là où je serai à coup sûr, c'est le 28 juillet prochain, c'est-à-dire au salon radio de Marennes. Donc là, comme chaque année, j'aurai mon stand là-bas. Normalement au même emplacement que d'habitude pour pouvoir brancher la station pour expédition dessus, c'est-à-dire celle avec laquelle je module en ce moment. Ah ouais, d'accord, ouais. Tu modules avec un CRT, je crois. Hein. C'est un 9900, pas loin, c'est le CRT 7009. Voilà, c'est le CRT 7009 avec la petite boîte qui va bien derrière pour donner un petit peu la main, car toi là je viens de passer la station totale là, sur la voie rapide, donc ça te donne à peu près une idée. Et puis bon, bah, l'antenne, la Wilson 5000. Au QRA, c'est une Sigma Mantovavit que je suis en train de chercher. Quoi. Et derrière, c'est un transceveur Yasu FT450 que tu as vu là déjà sur les vidéos. Ah oui, ça c'est un grand, c'est top du moteur radio. Ah, ça fait ce poste, ça fait déjà 9 ans que je l'ai. Et franchement, j'en suis très content, j'ai pas de problème avec. C'est vrai qu'il y a quoi dire de plus sur ce poste que j'ai au QRA, rien. Comme celui que j'ai dans le couche, hein, c'est pareil. Alors tiens, par contre, j'ai mis une petite info aujourd'hui sur le 7009. Il va falloir que je rende un peu plus à droite à gauche sur Internet. Mais un site annonce la version 2 du 7009. Alors il va falloir que je suis au top. Parce que s'il n'y a qu'un seul site qui annonce le 7009 version... Le 7000, oui, 7009, qu'est-ce que je dis, moi, oui, 7009 version 2. Putain, je me mélange les crayons, là. J'ai peut-être intérêt à me quilloter et tout là pour vite mettre l'annonce en place. Ah, j'aime bien justement là, me foutre le guidon, enfin, la tête dans le compteur et puis vite à chercher les infos. Ah, ça c'est le côté passionné de la radio là qui parle comme ça. Quoi. Peut-être un peu trop au grand désespoir de mon YL. Chie. Et puis là, je crois que c'est bien. Et quoi,
mais ça traîne un peu. Et bien, je regardais un peu les vidéos, puis je suis tombé sur une vidéo, puis je voyais, ah tiens, je connais ce point-là. Et oh, puis j'entends dire, ouais, je suis sur cette promo, je vais sur sa main, et donc, je suis dit, c'est pas autre chose, c'est moi, quoi. Et puis après, c'est comme ça, j'ai suivi des questions, et jusqu'à temps que je me décide à m'acheter mon petit truc, et me refaire une petite installation tranquillement, quoi. Ok, et ben toi là je suis dans le trou là du petit village de la Poste là sur la nationale 89. Même là ça passe du tonnerre. Hein. Voilà, je suis en train de remonter là tout à petit à la surface. Alors là tu vois là pour une remise en route là, de la station, et ben c'est du tout bon. C'est du tout bon, ça passe bien. Hein. Donc il y a des chances que le vendredi soir, samedi soir à partir de 21h et peut-être même le dimanche matin à partir de 10h qu'on t'entende de temps en temps dans le cuisson du canal 27 alors. Bah ouais, ok, ouais, avec grand plaisir, ouais, ouais. Ouais, 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 oui, voilà, à cause de l'éloignement des stations, on le fait en USB. Voilà, c'est. Le QSO, ben il se fait suivant la motivation, la motivation de chacun, suivant l'offre du temps de chacun. Je vois le week-end dernier, l'autre d'avant, ben pour le coup, on était à deux. Bon, c'est pas grave, hein. De toute façon, il faut être au moins deux pour faire un QSO, hein. Donc c'est déjà gagné d'avance. Quoi que je dis ça, mais le samedi là, du week-end précédent, le QSO, je l'ai commencé bien pendant 20-25 minutes tout seul. Hachi, là j'ai fait mon petit monologue et ça a marché puisque j'ai une station au nord de Bordeaux. Je sais plus le nom du village. Il y a un Leclerc justement, c'est sur le côté de la voie rapide. Bon, peu importe, qui s'est décidé à prendre les micros. Bon, c'est un homme qui est plus SWL qu'autre chose, mais bon, tu vois, là pour le coup, il a pris le micro et puis on a quand même fait un bon petit vaisseau comme ça, quoi. Ah, ouais, je ne sais pas savoir du signe. Ça te l'a dit des fois, je t'envoie. Si, voilà, ça te l'a dit. Voilà, c'est ça. Eh bien, tu peux l'entendre dans la dernière vidéo là, du QSO, l'avant-dernière vidéo de QSO du canal 27. Et dans la vidéo, justement, j'ai placé une de mes petites caméras dans le coin, là, du coin droit du tableau de bord, l'autre sur le poste, et puis en avant-roule. Voilà, je suis rendu dans la partie limitée à 90, là, donc Artigues. Ouais, j'ai pas tout saisi parce que j'ai une montée de QRM là, dès qu'on arrive sur Artigues, au secours. Hein. J'ai compris là, t'as des grandes lignes. Ah, puis surtout que c'est vrai que pour ce que je fais là, mon but c'est uniquement ça, hein, c'est ramener, faire connaître la CB au maximum. Voilà, c'est tout. Hein. Après, attirer les gens à tout prix sur mon groupe, sur mon forum, je m'entends pas complètement le coquillage. C'est pour moi la priorité, c'est la CB, quoi. Et tout à l'heure, quand tu me disais là depuis les années 70 et tout, pour moi, tu racontais en même temps mon histoire. C'est je veux dire par là que j'ai aussi commencé dans les années 70 sur le Takiwaki de gamin. Et déjà là, j'ai vite été mordu à ça, je suis vite ouvert pour essayer d'en améliorer un petit peu les performances, en touchant les réglages et tout, mais bon, tout mouflé, quoi.
Et en 82, c'est là où j'ai fait la connaissance de la Sibylle qui m'a plus lâché depuis. Hachi. Alors là, je suis en train d'arriver au feu de la sortie 26. Voilà, j'arrive à la bretelle d'accès. Voilà, tac, ça y est, le clignotant. Voilà, je suis à la bretelle d'accès de la sortie 26. Donc là, d'ici quelques secondes, je vais plonger sur la rocade, là où le signal va baisser. Là. Ah, là, j'ai entendu le retour bip là, mais j'ai pas tout compris. Là, c'était un peu noyé dans l'écureuil. Donc voilà, je suis là, ça y est. Voilà. Alors voilà, personne, c'est bon. Je suis sur la rocade. Là, je suis presque rendu aux stations totales de la rocade. Ouais, je t'ai entendu gazouiller derrière. J'étais un petit peu moustaché en même temps, parce que là, c'est vrai que là, sur le secteur, il y a toujours des stations qui modulent, des 1000 pattes, ceci, cela. Je vais en gêner quelques-uns, mais bon, c'est pas grave. J'espère que tu m'entends encore. Là, je suis à 300 mètres là, de la sortie Lormont, pour après ensuite attraper le pont d'Aquitaine. Bon, apparemment, en tout cas, moi, j'étais un peu perdu. Mais bon, quitte pas le temps de... Voilà, ok, c'est bon. Là, je vais monter là, un petit peu, là. Là, je vais pouvoir à nouveau t'entendre. Voilà, je suis en train d'attraper la sortie 1, là, pour aller direction le pont d'Aquitaine. Et puis après, je m'en vais sur Blanquefort, là, pour ce soir. Ah, j'ai entendu le Roger Bip derrière, j'étais pas sûr que tu avais repris le micro. Et voilà, là je suis en train de monter. J'arrive sur le pont là, qui enjambe la voie rapide Bordeaux-Paris. Voilà, ok, là je devrais pouvoir t'entendre là maintenant. Eh bien c'est raté. Eh bien c'est raté. Juste le Roger Bip là, j'ai entendu. Attends, ne quitte pas, là, je vais bientôt arriver là, au pont d'Aquitaine. Ça va être intéressant là, de faire un petit test là, depuis le haut du pont d'Aquitaine. Puis après là, je suis sûr de perdre. J'arrivais en bas dans le trou, là ça passera pas là. Donc là je me dépêche là, d'arriver au pont d'Aquitaine. Hop là, de la petite moustache derrière, c'est pas grave. Ok, j'ai entendu le Roger Bip. Voilà, je suis plus très loin là, du pont d'Aquitaine. Hein. Donc là, ça va être amusant de voir si ça passe là, depuis en haut. Et c'est pour le coup que je m'arrête, que je mets les warnings, je me stoppe en plein milieu du pont d'Aquitaine. Et là, on continue le QSO là, comme ça. Quoi. comment passer inaperçu, ou plutôt l'inverse. Ouais, je t'ai entendu parler, j'ai pas compris ce que tu m'as dit, mais je t'ai entendu parler. Donc c'est bon signe, c'est très bon signe. Dès que là je vais attaquer, j'attaque doucement, je suis presque rendu, là, j'arrive à la partie limite à 70, là, avant le pont d'Aquitaine. Là je suis en train de commencer, voilà, j'arrive, je commence à monter le tablier. Ok, voilà, c'est bon. Voilà, je suis en train de monter le tablier. J'arrive au premier pont, la première pile, je veux dire. Voilà, je suis au sommet du pont d'Aquitaine. Vas-y, retour de micro pour voir ce que ça donne. Eh bien, c'est bon, j'arrive à t'entendre ici, là. Ça passe bien, c'est pas... tu verras, de toute façon, vu que je filme en même temps, tu verras le signal là, sur la caméra. Ça passe bien. Ok, ben c'est nickel, ça. C'est impeccable, ça. Voilà, je suis en train de redescendre le pont d'Aquitaine. Alors, sur le web SDR, ils doivent voir de méchantes traces, là, sur le canal 20. Qui a dit qu'il n'y avait pas d'activité sur les 40 canaux? Eh bien, si, il y a de l'activité. Je me suis même fait un petit peu moustaché, là, gentiment, là, tout à l'heure.
Tiens, dans la montée du pont d'Aquitaine, là, ça monte tout doucement, hein, ça bouchonne pas mal quand même. En bas du pont d'Aquitaine, j'aperçois d'ici, bon, c'est l'étranglement avec ceux qui arrivent de Champlac. Bon, autrement, ça va. T'as, c'est bon, j'ai hâte là de me mettre au travail là sur la vidéo là pour vite te la mettre en ligne. Ok, c'est bien ce qui me semblait. Là, je t'ai perdu. J'ai entendu juste Roger Bip à la fin. Je suis carrément en bas là maintenant du pont d'Aquitaine. Peut-être que tu arrives à m'entendre encore un peu, mais tant mieux si c'est le cas. Pour moi, là, à mon avis, là, on doit arriver à la fin. Allez, on continue encore un peu. On continue encore un peu. J'attrape la sortie vers le parc des expositions. Voilà, on va voir comme ça jusqu'où là on peut allonger. Je t'attends encore un petit peu. C'est attends que je fasse pas de conneries. C'est bon. Voilà. Je t'ai entendu encore un petit peu. Ça passe encore un petit peu. Là, je suis coincé là au rond-point là du départ des expositions là et du karting. Ah ben là c'est vraiment là, très très QRP là de mon côté. Oh la vache, là je sais pas dans quel merdier là je suis en train de tomber là ici. Hein. C'est hard là pour circuler là ici. Hein. Là je crois qu'on a atteint la limite. Donc là je suis au rond-point du centre routier du karting. Donc voilà au moins jusqu'où là tu arrives. Mais bon là faut vraiment tendre l'oreille. Hein. Bon, je vais te laisser, merci pour ce QSO et puis très content d'entendre de nouvelles stations en fréquence. Tout à l'heure, cette nuit, je me mets vite au travail là, sur la vidéo pour que comme ça demain tu puisses la regarder, voir un petit peu ce que ça donne. Et en même temps, tu as le suivi de la route. Car comme tu as vu là sur la vidéo de samedi matin, quand là sur la route, je travaille maintenant sur deux caméras, une qui est braquée sur le poste, comme ça là t'as vraiment un suivi dessus, et l'autre qui filme au fil de la route. Voilà, je te laisse, merci à toi et très content d'avoir de nouvelles stations en fréquence. Pour une fois c'est de mon côté, hachi, c'est vrai, sur internet je vois là un peu partout là ça revient et tout ça, mais bon c'était pas trop sur mon secteur. Là pour une fois c'est ici, tant mieux, je suis très content, ça s'entend je crois. Je te dis à très bientôt en fréquence, merci beaucoup. Ok, merci. Pour le plan que j'y pense, pour la fréquence d'appel en BLU, c'est le canal 12. Voilà, tout le monde a migré sur le canal 12 en uniforme Sierra Bravo, en USB. Voilà, je te laisse. Merci beaucoup, à plus.